S'il vous plaît, monsieur. Floriste. Retiens la lune, je t'en supplie, à l'infini. Désir aussi, qu'on me donne l'envie. Je peux pas. Bien avoir l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Ah ouais, grave. Un grand monument. Je réalise même pas. J'ai du mal à réaliser, putain. On peut pas réaliser. Bah, en fin de compte, par rapport à l'événement, je devais venir ici. On a perdu notre idole, on a perdu notre chanteur favori. Lorsqu'il y a des moments de tristesse ou de difficultés au jour le jour, bah, il suffisait de l'écouter pour qu'on retrouve le moral. J'ai fait la plupart de ses concerts, j'ai eu la chance entre guillemets de pouvoir accéder aux loges à Bercy, j'ai rencontré son fils, lui je ne l'ai jamais vu malheureusement, mais bon voilà, c'est une grosse perte pour toute la France. J'étais en larmes, la première chose que je fais en me levant, c'est que je regarde mon portable et j'ai vu 4 messages et je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Je suis descendu et j'ai allumé la télé et j'ai vu quoi. Alors on s'y attendait, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi brutal, parce que pour nous c'était entre guillemets un invincible, c'était le taulier. Et on est très 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 touché ce soir, très triste quoi. Ça nous réconforte entre fans en fait. On prend plaisir à refredonner ses chansons, effectivement. Mais c'est dur parce qu'en même temps on se dit qu'il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus d'émissions de télé, il n'y aura plus de concerts. Et ça c'est le plus dur en fait. Par exemple, une anecdote parmi tant d'autres. J'étais à son concert au Palais des Sports et j'ai eu la chance en fait de pouvoir l'approcher, lui remettre un faire-part parce que j'allais me marier. Alors, il n'a pas écrit, il n'est pas venu, je n'en veux pas. Mais pendant le concert, je suis quasiment à 98% sûr, persuadé qu'il m'a reconnu parce qu'en fait il s'est essuyé le visage et il m'a envoyé sa serviette. Et j'ai sa serviette à la maison. Et c'est un souvenir parmi tant d'autres, quoi. On espère un hommage national. De façon à ce que voilà, tout le monde puisse lui dire au revoir correctement. Là, on est venu là ici pour se recueillir, mais à partir du moment où il y a l'enterrement, bah, on espère que ça va être un deuil national. Quoi. Et pour les petites histoires, j'ai même tweeté le tweet de M. Macron pour lui demander que ça devienne un jour férié. Oh Marie, si je pouvais, dans tes bras nus, il faudra faire preuve de bravoure. Moi, j'ai chanté Johnny depuis l'âge de 16 ans. Je connaissais toutes les chansons de Johnny, je faisais des karaokés, tout ça. Johnny Hallyday, disons que c'est une idole de la chanson quand même. Moi, j'aurais adoré chanter avec lui Ma Gueule. J'ai essayé de l'approcher pour chanter Ma Gueule en duo avec lui, mais pour l'approcher, c'est très dur. Mais j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Mais j'aurais bien aimé. Ben, je suis arrivé parce que je voulais voir où était sa demeure déjà, où il habitait. Voilà, j'étais un peu de curiosité, quoi. Puis je voulais chanter. Moi, j'aurais voulu m'approcher de sa maison pour chanter près de sa maison là-bas, mais on ne peut pas. J'aurais aimé. J'aurais aimé lui laisser des chansons devant pour lui rendre hommage. Là, je suis triste. Ben, triste, hein, parce que, bon, toute la jeunesse qui s'en va quand même. Johnny Hallyday, c'était. C'est une icône, Johnny Hallyday, c'est difficile de définir. En France, c'est un des plus grands chanteurs, c'est une bête de scène. J'ai vu toutes les scènes de Johnny,
tous les spectacles, je me suis toujours déplacé, les concerts, tout ça, Stade de France, hein, pas tout. Je suis toujours en chantant ses chansons, quoi, parce que c'est magnifique, quoi. Il a fait des disques, jamais il a donné des disques à chanter à des interprètes, Johnny Hallyday, jamais, jamais, jamais. C'est la première fois. Donc j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il était dans sa maison, sur son fauteuil, il se traînait, il pouvait plus marcher, il pouvait plus... Vous voyez bien que ça allait pas, malgré qu'ils nous ont dit que ça allait mieux. Faut pas nous prendre pour des jambons, hein. Bon. C'est vrai, quoi. On a bien vu qu'il y avait un problème. Et puis que... Moi, je me suis dit, il finira pas l'année. Mais je pensais, c'est un peu rapide. Je pensais qu'il serait mort plutôt vers le mois de janvier, par là. Au moins, on aurait pu fêter la bonne année avec lui, quoi. On est content de chanter Johnny, quoi. C'est vrai qu'on a tous quelque chose de Johnny. On a tous quelque chose de Johnny. Non 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 Gabriel, tu brûles mon esprit, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir quand dans tes bras je meurs chaque soir. Tous ensemble. Oh, Philippe, ouais, Philippe pour moi, ouais. Ma place. Oh. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça. Allez, tu peux arriver. On remonte sur les jours. La solitude aussi. Que j'aime les gens, que j'aime les silences pour un fin discours et toucher la misère pour respecter l'argent. J'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre, désir et le plus. Ma vie! Wow! J'ai commencé à chanter, j'ai eu la chance d'avoir, Dieu m'a donné des bandes cordes vocales, j'ai réussi à prendre la voix et j'ai réussi à, voilà, et puis j'ai eu la passion, et puis, j'ai continué à chanter, à persévérer, et je suis parti, les premiers concerts que j'ai vus c'était au Palais des Sports en 2006, voilà, c'est 63 ans, c'était magnifique, et de venir devant chez lui à la maison à la Marne la Coquette, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, d'immense, c'est un immense artiste qui laissera une trace. Il n'y a pas de mot pour qualifier cet artiste parce qu'il a bercé nos vies depuis ma plus tendre enfance et j'ai mal à parler. Je le chante ce soir pour tous les gens qui sont là, pour tout le monde, comme il y a des gens qui sont à côté. C'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose de historique dans tous les sens du terme. Le pauvre, paix à son âme. Parce que là, on en perd de deuil. Mais Johnny, je pense, même de l'au-delà, paix à son âme. J'appelle tonton, je dis tonton, voilà, enfin, c'est pas mon oncle, mais je dis tonton. C'est quelqu'un qui aura tout donné à son public, et à sa vie de famille, à sa famille, qui a donné tout à tout le monde. Et je remercie pour tous ces moments de bonheur, parce qu'il m'a redonné goût à la vie en 2003. Et c'est grâce à lui aussi que je me suis mis à chanter aussi. Merci d'avoir été là pour nous, toutes ces années, d'avoir donné tout ce bonheur. Moi, je suis très jeune, c'est vrai, j'ai pas 64, l'âge de Johnny, le pauvre, qui est parti. J'ai pas vécu les années 60, les années 70, ni 80. Je suis né dans les années 80, certes, mais en tout cas, j'étais percé là-dedans, ben, tendre enfance. C'est pour ça que je chante ce soir, que j'ai chanté, pour mon plaisir personnel aussi, pour me faire plaisir, et puis surtout aussi pour l'amour du public et pour l'amour que cette personne a procuré pour tout le monde qui sont là ce soir. Parce que Johnny est parti, mais Johnny ne part pas. Johnny, comme il a toujours dit, il fait une balade. C'est comme un nuage. Tu sais, quand il y a un nuage dans le ciel, c'est comme, il y a un nuage, après il y a l'orage, et après il y a le beau temps. Tu comprends? Ce soir, c'est comme un orage qui apparaît ce soir. C'est comme un éclair qui nous a bouleversés, qui nous a compressés,
Malheureusement, cet orage va mettre du temps à passer. Il va mettre du temps, chacun de nous qui sont là, toutes les personnes qui sont là ce soir, va mettre du temps à se relever. Mais on va, petit à petit, on va faire avec. Et puis, avec l'amour qu'on a pour Johnny, qui nous a procuré toutes ces années, on va faire le deuil petit à petit. Et puis après, ça va aller petit à petit. Mais en tout cas, je le remercie pour toutes ces années de bonheur, ces années de joie. Une bête de scène, un monstre. Une personne généreuse, dotée des qualités exceptionnelles. Toujours à l'écoute des gens, toujours à l'écoute de ses fans. Toujours là pour nous. À chaque fois quand je le voyais sur scène, j'étais dingue. Quand j'étais aux premières loges, j'étais collé à la scène. J'ai jamais regretté d'avoir acheté les billets, les machins, les trucs. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, il a toujours l'amour de son public, l'amour de sa famille. Quelqu'un de très intègre, de tous les côtés, de part et d'autre. Et pour ça, c'est pour ça que je suis à Marne la Coquette ce soir avec tous les fans, avec tout le monde, et puis qu'on prend plaisir à être là ce soir. Et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, mes derniers mots sont je t'aime Johnny, et puis merci pour ton amour que tu nous as donné depuis toutes ces années. Et merci, et je te remercie, que tu me laisses chanter tes chansons, même si tu ne m'as pas donné ton accord. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir de chanter des chansons de ce grand bonhomme, de ce grand monsieur qui est une très grande personnalité publique et qui le restera, même au-delà de la mort, il sera toujours présent dans nos cœurs et dans nos têtes. Jusqu'à... On ne peut pas compter, c'est indéchiffrable en années parce qu'il sera toujours là. Eddy est bloqué. Eddy. Johnny, c'est le meilleur. Pourquoi c'est important de venir ici? Parce que Johnny, on t'oublie pas. Mais il faut pas qu'il nous oublie non plus. Au-delà, fais ton possible pour foutre le bordel. Et assure, parce que nous, on est derrière toi. Et c'est le dernier mot. Je t'aime, Johnny. Et tout le monde t'aime. J'avais 5 ans, c'est mon père qui m'a fait apprendre les chansons, parce qu'il les écoutait à l'époque. Et j'ai appris à chanter. Et j'ai appris toutes ces chansons. J'écoutais aussi. J'écoutais beaucoup. Puis mon père, un jour, il m'a dit, avant de partir, bien sûr, avant de mourir aussi, il m'a dit, tu sais, c'est un grand homme, celui-là. Il va aller très loin. Bah, j'ai dit, waouh. Enfin, j'étais waouh. J'étais gamin à l'époque. Et j'ai continué à écouter. Et au fur et à mesure des années, ben, j'ai acheté ces 45 tours. J'ai même, si vous voulez savoir, en Super 8, j'ai sa première scène à la maison. Je l'ai appris bêtement, je l'ai pris à 4h du matin, parce que je me lève à 4h du matin, mais c'est ma femme qui m'a réveillé, elle m'a dit « Papa ». Oui, elle m'a dit « Papa », parce qu'elle m'appelle « Papa, maman ». Et elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je me suis levé de mon lit, je me suis assis sur mon lit, j'ai dit quoi? Elle m'a dit, Johnny est mort. Waouh! Et j'y croyais pas, j'étais devant la télé comme ça. Et j'ai dit, oh, c'est pas possible. Sa façon de vivre, sa façon de donner à ses fans le bonheur à travers ses chansons, le bonheur à ton. De faire comprendre aux gens comment vivre et survivre, en fait, on va dire. Quelle est votre chanson préférée de Johnny? Laura. Parce que ma fille s'appelle Laura. Mes manques de peau, je ne l'ai pas gardée, ma fille. Je l'ai perdue. Elle avait 2 ans à l'époque. Quand j'ai...
encore aujourd'hui, ça me... C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends la chanson Laura, bon, là qu'aujourd'hui j'ai réussi à l'écouter. Parce que d'origine, je n'écoutais plus cette chanson-là, parce que j'avais perdu ma fille. Et si j'avais appelé ma fille comme ça, c'est parce que... Il y a Johnny et Laura. Mes enfants apprendront à chanter du Johnny, comme ils font maintenant, et à tout jamais. Et j'espère que... Je crois que Johnny ne va pas partir de si, comme ça, sans laisser des traces.